J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo qui, je ne sais pas combien de temps va durer, clairement. On va se retrouver dans une petite vidéo, en fait, tout simplement pour... Pour, en fait, vous montrer, parce que j'ai eu des changements au niveau de ma chambre et il y a eu des changements au niveau de la chambre de mon frère aussi. On a fait ça un peu ce week-end, au niveau du week-end de Pâques. On a fait ça et du coup, en fait, j'ai un peu envie de vous montrer tout ce qui a changé. Je vais essayer un peu vous dire ce que j'ai eu à Pâques. Alors là, dedans, je joue juste à mes petits chiens que vous avez montré dans ma vidéo goûter et on blablate. Là. Alors, on va ouvrir à ces cannibales monstrueuses. Coucou. Voilà, après avoir ouvert, donc du coup, là, j'ai été leur ouvrir. Je finis pas trop dans les verandas parce qu'il y a vraiment un putain de contre-jour de merde. Vous voyez, là, il y a un big contre-jour. Il y a un big contre-jour, c'était horrible. Du coup, on va donc aller voir en haut directement. Voilà, on va monter. On monte. C'est parti. Donc là, au niveau de l'arrivée, pas de gros changements. Enfin, juste à part un peu de désordre. Un petit peu de désordre, mais sinon, rien de gros changements. Donc du coup, je vais tout de suite vous montrer ma chambre. Mon ancienne chambre, en fait. J'ai tout de suite vous la montrer. Désolée là pour le noir. C'est juste que, en fait, du coup, bah, j'ai fermé la porte. Comme vous voyez là. Et là, il y a un petit truc, lapin crétin. Avec marqué, ici, on dort pas. Et de l'autre côté, on dort. Donc, c'est parti. On dort. Donc là, on est dans ma partie chambre, en fait. Vous voyez où là, j'ai mon bureau, mon canapé, mes poufs. Et ensuite, ici, de l'autre côté, maintenant, c'est la partie à mon frère. Bien sûr, les murs vont changer. Ne faites pas abstraction de ça. Donc tout ça, voilà, c'est la partie à mon frangin. Et là, voilà, il y a de l'autre côté ma partie. Donc là, on a un meuble blanc. Donc on mettra une télé. Et voilà. Ensuite ici, on a son bureau. Donc voilà, son petit bureau. Ici, on a son clic-clac, donc où il dort. Une petite table. Donc là, après, c'est séparé en fonction de ici. Voilà, là, là. Donc au milieu de la fenêtre. Et puis là du coup, donc comme je vous ai dit, on a ma partie avec mon canapé où je dors. Et en face mon bureau qui est juste là. Voilà. Là. Voilà. Donc déjà, gros changement, puisque maintenant on dort ensemble. Donc bien sûr, toute la peinture va changer. Ça va être du papier peint. Donc moi ça va être du papier peint Londres et plafond blanc. Et mon frère, ça va être un papier peint un peu espace, métallique, tout ça. Enfin un peu tout ce qui est univers, enfin l'univers quoi. Avec un plafond blanc également. Donc voilà, et donc le petit truc lapin crétin que je vous disais, c'est ça, ici on dort pas, et là ici on dort, voilà. On fait d'autres. Du coup avec mon frère on aime beaucoup le mettre. Donc on dit ici, pas de changement puisque c'est la salle de bain à la base, donc pas de changement. Ici c'est le dressing, on a un peu rangé la pièce où il y avait pas mal de fringues, donc on a tout mis dedans en vrac. Les toilettes, pas de changement, et besoin de vous les montrer de toute façon. Donc ici, c'est l'ancienne chambre à mon frère qui, du coup, est devenue une salle de jeu. Voilà. C'est vraiment qu'à lui. Donc du coup, bah, on a pas mal de trucs. Là, on a des Lego, on a une bibliothèque, on a un garage, pas la fenêtre, des tortues ninja, des Lego encore, enfin voilà. Et puis dans son placard, du coup, c'est un peu plus rangé avec des tortues ninja et d'autres trucs d'une société en haut. Et du coup, moi aussi, donc de mon côté, voilà, donc il y a pas mal de trucs aussi, c'est encore un peu le vrac. J'ai en fait mon ancien meuble, ça pue la pisse. Il y en a une qui a pissé, mais où, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Du coup, je pense que je vais ouvrir un petit peu pour faire partir l'odeur, parce que c'est vraiment désagréable comme odeur et je déteste ça. Donc, du coup, ça n'a pas vraiment changé. Enfin, ça a pas mal changé ici. C'est la pièce où ça a un peu le plus changé. Puisqu'avant, ici, il y avait pas mal de fringues qui étaient stockées. Et du coup, c'était pas vraiment une pièce très intéressante. Du coup, ici, on a donc mon meuble qui avant était dans ma chambre, ma bibliothèque. Ici, on a mon autre meuble qui était aussi dans ma chambre. Mon tapis qui va repartir là-bas, mais quand on aura fini de peindre là-bas et tout, pour éviter de le tacher. Après, ici, on a donc dedans les décorations qui vont servir pour bah, ici, quoi, dans toute cette pièce. Après, en haut, on a d'autres jeux de société. Ici, on a des Playmobil, voilà.
Là-bas aussi, on a pas mal de petits trucs, voilà. Du coup, c'est voilà, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire un peu aussi changer la maison, de la faire évoluer. Et je trouve ça plutôt cool, en fait. Voilà, moi je trouve ça plutôt cool qu'on soit dans la même chambre. Salut le chat. Il pose à part. Mon chat est là. Donc moi je trouve ça plutôt cool que on... Comment? Que on... Merde. Qu'on fasse ça parce qu'en fait, c'est... Enfin, qu'on change un peu parce que ça permet d'évoluer. Et puis moi et mon frère, on est souvent très, très souvent un peu ensemble. Du coup, je trouve ça plutôt cool. Désolée, j'ai appuyé sur le bouton, ça va pas. Ça plutôt cool parce que on est assez ensemble et ouais c'est cool parce qu'on est souvent ensemble avec mon frère. On aime bien passer du temps ensemble dans nos chambres. En fait on n'est jamais en fait tout seul dans nos chambres quoi. On est toujours toujours ensemble 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 et du coup ça permet qu'en fait on soit plus ensemble quoi. Voilà donc je ferme cette parenthèse. Ensuite donc je voulais aussi vous parler de ce que j'ai eu à Pâques notamment. Donc voilà, donc je vais un peu vous montrer tout ça, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu à Pâques. Donc moi j'aime beaucoup ce que j'ai eu. Alors donc j'ai eu un gros œuf au chocolat caramel que je n'ai pas encore ouvert mais que je vais ouvrir après avec vous pour bien vous donner faim. Voilà, parce que de toute façon j'ai le temps, mon frère ne finit qu'à 17h parce que vous, il va peut-être vous poser la question. Il est 16h, pourquoi tu n'as pas cherché ton frère? Et non, ce qu'il y a c'est que mon frère finit à 17h puisqu'il a un AP. En fait, il a un projet en classe, du coup, en fait, il finit plus tard le mardi. Il finit à 6h. Voilà. Je vais juste boire un peu. Oh, il n'y a plus de lait, merde. Alors, du coup, j'ai eu ce chocolat caramel, donc par mes parents. Voilà, hein, c'est pas vraiment excitant de. Oh, je sais ce que je vais boire. Du jus comme ça de citron. C'est trop bon, les enfants, je vous jure. Alors, je le mets comme ça, mais c'est pas super ce qu'il y a de mieux. C'est tellement bon. C'est trop bon. Ma mère déteste que j'ai pas ça. Du coup, je l'ai fait quand elle est pas là. Parfaitement, c'est moi. Alors attendez, je vais juste refermer cette merde. C'est trop bon en plus. Moi, je kiffe ça. Alors en plus, c'est la salle de ce midi, j'en ai mis dans mon sandwich au saumon. Alors qu'elle aime pas trop que j'en mette sans lui demander. Je vais me faire défoncer. Sans mettre moi le citron, j'adore le mélanger avec plein de choses. J'adore autant les gâteaux citron, tout ça. Donc du coup, je vous disais. Donc j'ai eu mon chocolat caramel au caramel avec des bouts de caramel dedans. C'est trop bon. Enfin, je pense que ça va être trop bon. En fait, j'adore le caramel. Donc voilà. Ensuite, on a moi et mon frère, chacun, on a eu un calendrier Haribo que ma mère a trouvé à Noz, en fait, pour je ne sais pas combien. Chocolat de prix. Ouais, elle a dû enlever le prix. Elle a dû enlever le prix, mais c'était pas très cher, apparemment. Ensuite, j'ai eu. Oh, donc, ça, c'est pas du chocolat. Hein, c'est en fait, j'ai eu pour faire un petit poussin, un pompon. Et c'est trop mignon. C'était dans un œuf comme ça, avec tout le matériel et tout, c'est super bien. Pareil, ça c'était à Noz, c'était pas très cher et ma mère a pu en prendre. Après, non, ça c'est de l'année dernière. Ah oui. Et après, avec mon frère, en fait, mélangé, on a eu des chocobons, des Kinder comme ça et des Kinder surprise. Et mon frère en gros chocolat. Entre guillemets, notre gros chocolat de Pâques, vraiment. Il a eu un maxi Kinder surprise. Tortue Ninja, vous savez, les Big The Kinder, là, trop bon. Pour être honnête, je l'ai bouffé avec lui. Parce qu'on fait toujours ça tous les ans, en fait. Parce qu'on n'aime pas bouffer tout seul notre chocolat. Non, c'est mon chocolat, tu touches pas. Non, on fait pas ça. On n'aime pas. Quand je dis qu'on partage toi avec mon frère. Ah oui, aussi, on a eu chacun ça. Alors, en fait, ça, c'est du Nutella. Que je vais goûter. Parce que j'ai pas goûté, en fait, encore. C'est du Nutella. C'est dégueulasse. En fait, c'était du Nutella. Avec dedans des bouts. En fait, les bouts sont bons, mais le chocolat est dégueulasse. Donc, je l'ai jeté. En fait, le chocolat, il a un arrière-goût. C'est vraiment pas bon. Bon, par contre, la surprise, c'est super cool. C'est des petits bustes de personnages. Mon frère, il a eu Star Wars. Et moi, j'ai eu. Je sais plus. En fait, c'est celui de mon frère. Et moi, je sais plus ce que j'ai eu. Je sais plus,
En fait, c'est mon frère, il avait mangé mon chocolat. Parce que je lui avais dit, ouais, j'en veux pas. Ma mère m'avait dit, bah, si tu manges pas maintenant, il va se perdre. Du coup, j'ai dit, bah, Clément, t'as envie? Il m'a fait, ouais, je veux bien. Du coup, il a mangé, il m'a fait, oh, le chocolat, il est bon. Je fais, ouais, bah, vas-y, je mangerai plus tard. Du coup, voilà. Il est vraiment un sale goût, le chocolat. J'aime pas du tout. C'est vraiment dégueulasse. J'ai un bouton où je rêve. Oh my god, j'ai un bouton. Déjà que j'en ai un là, là, s'il te plaît. Ah non, il est parti. Oh yes. Mon bouton est parti. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas énormément d'acné. J'ai pas d'acné en fait. Il y a une fille dans ma classe, s'il te plaît, c'est une calculatrice. Super horrible pour elle, la pauvre. La pauvre petite, franchement. Alors demain, je fais 9h midi. Mais donc j'ai une heure de français et deux heures d'histoire. Mais demain après-midi, je vais donc continuer à faire ma salle à moi en fait, donc ma salle de jeu entre guillemets, je dis, même c'est ma salle à moi parce qu'il y a pas mal de trucs. Je vais aussi un peu faire, je pense, là-bas où je jouerai au Sims, ou alors je jouerai aussi dans ma chambre peut-être. Mais voilà. Donc du coup, je ferai ça demain. Donc demain, je pense, je sais pas si je ferai des vidéos. Sachant que mon père est d'après-midi demain. Peut-être que j'en ferai une, peut-être que j'en ferai pas. Faudrait que je trouve sur quoi je fais. Donc peut-être que je ferai un truc pareil, un peu au goûter. Voilà, on blablate un peu. Des trucs comme ça, quoi. Ou je filmerai un peu quand on jouera. Peut-être avec mon frère à la Wii. Enfin, voilà. Sinon je vous filmerai mes devoirs. Enfin, je sais pas trop ce que je ferai encore, je verrai. Je verrai un peu. Mais franchement, je sais pas du tout si j'en fais une demain. Donc je vais pas vous mentir, honnêtement. Donc du coup, bah après, au niveau des chocolats, c'est tout ce que j'ai eu. Mon frère a eu pareil que moi, sauf le chocolat. Il a pas eu le poussin en pompon. Il a eu des trucs de Lego, je crois. Enfin, une petite boîte de Lego. Enfin, c'est pas vraiment des Lego, c'est une autre marque de Lego. En fait, c'est des Lego bizarres. C'est des Lego de... Enfin, en fait, c'est un camion avec un tracteur. Enfin, je sais pas. C'était bizarre. Mais c'était pas des Lego, en fait. C'était comme des Lego, mais c'était pas des Lego. Voilà. Et sinon... Après, donc sinon, c'est tout à la place de moi, mon machin, la chocolat, qui est à lui, d'ailleurs. Bah, en fait, lui, il a eu... Star Wars, et moi j'ai eu je ne sais plus quoi, comme je vous dis encore, mais voilà. Et après des chocobons et des Kinder Surprise et des petits Kinder, non, des Kinder Eggs. Et mon frère, à la place de mon gros œuf caramel, et bah il a eu son maxi Kinder géant Tortue Ninja. Voilà. Sur ce, on va aller goûter mon petit œuf parce que j'ai très très envie de le goûter. Et en plus, j'ai hyper hyper faim parce que normalement, à cette heure-ci, en fait, je bouffe le goûter avec mon frère. Et je pense que je vais bouffer le goûter maintenant. Du coup, je vais le faire. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire aussi à Pâques par ma tante cette fois-ci. Par ma tante, en fait, moi et mon frère, donc chacun, on a eu cette petite chose, un petit chien chocolat au lait et un petit chien chocolat blanc. C'est hyper mignon. J'ai pas encore goûté. Je vais attendre mon frère ce soir pour goûter. Parce que bah du coup j'aimerais goûter avec mon frère, mais franchement ça a l'air super super bon. Et ça a vraiment l'air trop bien. Et aussi à Pâques par mes parents, on a eu des petits lapins au chocolat. Voilà, quelques petits lapins au chocolat. Nous en avons fait 5 chacun. Et donc je vous disais dans les trucs là, chocolat dégueulasse là. C'est ça qu'on a. Mais moi je sais plus c'est quoi, je crois que c'est comment. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Les Aristochats Disney, quoi. Enfin, je crois que c'était les Aristochats, genre, vous savez, ça, Marie et tout. Voilà. En fait, Marie, c'est Disney. Moi, tout ce qui est les animaux de Disney, j'adore. Après, moi, mon personnage préféré de Disney, c'est Marie. Parce que moi, j'adore Marie. Donc, du coup, bah, je vais ouvrir mon petit noix de chocolat, mettre la caméra en place et puis on se retrouve juste après. Ok, ne fais pas attention à la musique, c'est juste qu'en fait, je voulais mettre de la musique en fond que je m'en fous total. Donc, ne fais pas du tout attention à la musique derrière. Je vais la mettre un tout petit chou plus fort quand même. Voilà, juste pour que vous entendiez de la musique, mais j'en ai rien à foutre en fait de la musique, hein, juste pour vous dire. Je n'écoute pas du tout ce genre de choses. Donc c'est juste en fait pour avoir un fond de musique, parce que sinon on s'emmerde de ouf. Alors du coup, ce petit œuf au chocolat, voilà, on va l'ouvrir. Alors ça quand même avec délicatesse. Alors... je peux vous faire vraiment toute l'ouverture et tout, donc je vais bien vous filmer quand j'ouvre,
tout ça. Et on va découvrir aussi la qualité de l'emballage ensemble. Donc déjà, l'emballage carton, il était vraiment bien fermé. L'emballage n'était pas du tout abîmé. Donc c'est plutôt pas mal ça. Ça prouve que le chocolat est de bonne qualité. Ensuite, donc quand on enlève l'emballage que j'ai bien déchiré comme il faut pour bien tester la résistance du carton, qui est d'ailleurs très résistant, on a cette chose donc, qui est enveloppée dans un plastique. C'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau chocolat, mais c'est assez protégé quand même, c'est protégé des bactéries. Durant que le plastique a bien été désinfecté, ça va. Après, au niveau, donc quand on ouvre les caramels, donc on a direct le chocolat. Ça par contre c'est un petit peu embêtant. Le chocolat, voilà. Donc le chocolat, il tient bien en forme. Il est un petit peu abîmé. On voit qu'il est un petit peu fondu justement à cause du plastique. Mais ici, vous voyez, c'est une matière différente de là. Et bon, pareil, il est un petit peu abîmé à certains endroits. Mais en fait, non, je crois... Non, je sais pas qu'il est abîmé. Non, je me suis trompée. C'est pas qu'il est abîmé, c'est que c'est des bouts de caramel. En fait, c'est qu'on a des bouts de caramel qui sont là aussi. Alors ça, c'est du fudge, je crois. Oui, ça, c'est du milk chocolate egg. Je crois qu'il y a du fudge, en fait. Dedans, il y a du caramel. Et ça, c'est du fudge. Donc, on va d'abord goûter le fudge. Qui est bien protégé, voilà. Bon, le fudge est pas mal, c'est des gros morceaux, ils ont été généreux. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 morceaux de fudge quand même, qui sont assez importants. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ils sont quand même assez gros, donc c'est plutôt pas mal. On va ouvrir ça. On va ouvrir ça et on va ajouter. Donc après, au niveau du fudge, je connais pas vraiment les consistances. Bah, je mange beaucoup de fudge, mais enfin, je regarde pas forcément les consistances. Je sais qu'il doit être moyennement mou, mais pas trop. En fait, quand on appuie, on doit pouvoir garder un tout petit empreinte de notre doigt. Donc là, c'est pas mal. Il est un petit peu farine, enfin, saupoudré de sucre glace, donc c'est plutôt pas mal. On va goûter. En tout cas, c'est pas du fudge. C'est du caramel. C'est super bon. Il est très très bon. En fait, c'est un peu un fudge, vraiment un léger, léger fudge au caramel. En fait, moi, j'aurais vraiment aimé que ce soit du fudge parce que... J'aime bien ce jeu, Maître Gims, j'aime bien. Moi, je préfère que ce soit du fudge goût caramel. Mais là, en fait, c'est vraiment du caramel avec une légère texture de fudge, quoi. Enfin, c'est... Donc du coup, comme c'est que du caramel quasiment, bah du coup ça colle pas mal aux dents, au palais. Mais sinon ça va, la consistance elle est vraiment géniale. Enfin, la matière est très très bonne. Le fait qu'il y ait des poils dessus, ce serait mieux. Du coup voilà, on va goûter cette petite merveille. On va déjà voir si ça se casse. Donc je vais aller chercher un bol parce qu'en général le chocolat quand on a les traits de soudure comme ça. Non, c'est bon. Quand on a les traits de soudure là, comme ça, et ben normalement en fait ça peut se casser en deux, vraiment en deux parties comme les Kinder, et normalement c'est super bien. Donc je vais aller chercher un bol pour pouvoir mettre tout ça dedans. Voilà, j'ai pris un bol de moyenne taille, on va dire. Je vais le poser là. Alors je vais prendre le chocolat. Bon, par contre, déjà il a une bonne consistance quand on tape dessus, il se casse pas tout de suite, donc c'est pas mal. Il s'émiette pas, il fond pas facilement. Enfin, j'ai beau frotter. Voilà, on a un petit peu des traces, mais ça va. On va essayer de le casser. Alors, il a une très bonne consistance, même, qui ne se casse pas. Voilà, c'est un petit peu gênant et c'est pas super au niveau d'un chocolat non plus. Putain, pas où, mais... T'as des biceps, hein, pour le casser, hein. Donc, je vais aller chercher un petit couteau, je pense, une cuillère, un truc comme ça. Donc, j'ai pris un couteau à bourron pour éviter de vraiment péter le chocolat qui s'émiette dans tous les sens. Bon, c'est vraiment pas génial, ça. Donc c'est pas super cool. Je vais essayer de le percer. Ah, voilà, j'ai réussi à le percer. Maintenant on va réessayer de le rouvrir à partir de ce petit trou là que j'ai formé ici. Mais vraiment il est épais le chocolat, j'ai l'impression. J'espère que ça va pas trop être lourd parce que le chocolat très épais c'est pas super bon. Moi je préfère le chocolat vraiment fin. Ah oh, j'ai pété le chocolat et enfin j'ai pété un bout de chocolat, donc c'est vraiment impossible. Et comme on voit le chocolat est un petit peu épais, mais c'est pas très très grave. J'ai quand même essayé de le casser en deux, mais il se casse pas en deux, c'est un peu mauvais. Donc c'est pas grave, on va goûter un bout comme ça. Je vais essayer de prendre un bout où il y a du caramel.
Mais plutôt pas mal. En chocolat au lait, basique entre guillemets. Il est vraiment bon. Alors moi, globalement, je bête beaucoup de caramel. Je vais essayer de reprendre un autre bout avec plus de caramel. J'ai pas de caramel. Je regarde un peu où est-ce qu'il y a du caramel. Ah, là, j'avoue qu'il y a du caramel. Je vais le casser. On va essayer de casser petit à petit, hein, parce que ça ne se casse pas autrement. En fait, c'est un peu chiant. Vous voyez, ça fait vraiment des bouts, quoi. Enfin, c'est pas... Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Je prends ça. Vous voyez, ça me fait vraiment des bouts. En fait, ça me fait que des bouts de cette taille. Voilà, ça me fait des bouts de cette taille, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus. Vous voyez, le chocolat, il est vraiment tout pété. C'est pas vraiment super. Donc là, normalement, il devrait y avoir du caramel. Ah oui, voilà. Là, du caramel. Et honnêtement, c'est hyper bon. Et j'ai même envie de faire un petit truc, que de prendre un bout de ce bloody fudge. Parce que je vous jure que sur le paquet, ils vous mettent fudge. C'est pas du fudge. Et j'ai presque envie de le manger avec, voir ce que ça peut donner en fait. Et... bah, c'est plutôt pas mal. Ah, par contre, il ne faut pas mettre trop de fudge. Bon, là, je le mets un peu beaucoup, mais... genre la moitié de la moitié, un quart, ça suffit. Je vais essayer avec un quart. Avec ça. On prend la moitié, on prend encore la moitié de la moitié, ça fait le quart. Je l'étale un petit peu. Bah, c'est plutôt pas mal, quoi que ça donne de la consistance du chocolat. Mais ça donne ce petit effet en fait vraiment food là pour le coup. Bah, que en fait la dureté du chocolat ramène vraiment ça en fait. Bah, que c'est pas bon. Voilà. Ce petit goût avec du chocolat. Alors vraiment le meilleur, c'est de manger ce soi-disant fudge, qui n'en est pas un quand tu manges tout seul, avec le chocolat en fait, avec un petit bout de chocolat, de manger un quart, c'est hyper bon. Franchement, quel gars. Après les deux séparés, j'aime bien aussi, mais les deux en même temps, ça donne vraiment un fudge quoi. On a vraiment l'impression de manger du fudge et c'est trop bien. Que le petit léger goût amer du coup du chocolat, tous les chocolats au lait, et plus il y a le chocolat noir, redonne un côté fudge à ce caramel en fait. Du coup, je trouve ça cool. Voilà. Sur ce, du coup, je vais aller me chercher un petit thé pour un peu me détendre parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de choses à penser en ce moment avec le collège, tout ça, et c'est pas vraiment super sympa. Donc sur ce, je vais me faire un petit thé. Donc pour me détendre, je vais me prendre un petit thé. Je pense à ça. Alors c'est tout cerise, fruits des bois, tout ça. Donc c'est vraiment hyper bon en plus, j'adore ce thé. C'est simple, j'appuie juste sur le bouton qui est là-haut, le allumer. Ensuite, j'ouvre cette chose. Je viens glisser la capsule, je referme. Je prends bien évidemment une tasse, c'est toujours mieux. Je prends une tasse, donc je prends une tasse au pif. Hein, et je viens appuyer sur le bouton vert. Je regarde toujours s'il y a assez d'eau, enfin voilà. Dès qu'on fait ensuite, après, vous allez avoir là le petit thé qui va sortir. Voilà, ça va sortir, vous allez voir. Vous allez voir. Voilà, c'est sorti. Non, il n'y a pas que ça. Non, mais en fait j'aimerais trop pouvoir que vous sentiez genre sur YouTube. Mais en fait ça sent tellement bon. Oh, ça sent la cerise et tout. Oh là là, la framboise, les fruits, les bois, les myrtilles. Je sais pas c'est à quoi. Maintenant mon thé se prépare. C'est cerise, framboise, fruits des bois, black tea, chena. Voilà. Hein. Ensuite donc du coup pour tout ça, je prends 3 sucres, 4 sucres roux. Voilà. Et je les mets dedans pendant que mon thé coule. En fait, là, qui coule, voilà, comme vous voyez, comme ça, là.
et je les mets dedans. Voilà. Et en fait, du coup, ça va fondre tout seul en contact avec la chaleur. Et du coup, ça va trop vite à diluer vos sucres, en fait. Ensuite, je prends une petite cuillère. Donc, quand je vois que c'est à peu près la moitié de la tasse, donc comme là, et je viens commencer un petit peu à mélanger tout ça. Donc, un petit peu à faire des tapotis comme ça dans le fond de ma tasse. Pour bien enlever mon sucre. Et puis après, je touille un petit peu pour aussi bien mélanger le goût du thé et avoir un meilleur goût de thé. Je vous assure, c'est vraiment vrai. Faut pas dire oui, c'est juste pour gagner 3 minutes quoi. Non, c'est pas pour gagner 3 minutes. Oui, ça gagne du temps, surtout quand vous êtes pressé. Enfin, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Mais ça gagne pas énormément. Ça gagne quoi, 30 secondes, hein, même pas. Mais c'est juste en fait pour que votre sucre se dilue mieux, que vous ayez un meilleur goût de thé. Et tout quoi. Enfin, c'est toujours meilleur. Voilà. Alors, chose importante aussi, il faut toujours bien débrancher sa machine pour pas que ça fasse de court-circuit. Donc, voilà. Alors, du coup, bah, je vais un petit peu conclure un petit peu parce qu'on est bien 26 minutes de vidéo. Bah, je vais... Voilà, là, ma caméra me dit à peu près une demi-heure de vidéo maximum. Donc, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on a quand même fait pas mal... enfin, je vais parler de pas mal de choses et tout. Voilà, donc j'ai pris mon petit thé, mais bon, je vais conclure tranquille. En plus, il est déjà 31. Après, moi, je vais pouvoir un peu commencer mes devoirs parce que j'ai vraiment du français pour demain. Du coup, j'ai un petit peu de français, mais sinon, j'ai rien d'autre. Donc du coup demain comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je ferai de vidéo parce qu'en fait du coup demain je vais faire ça, je vais lancer dans mes devoirs parce que j'ai un expo, enfin j'ai un mini expo en fait pour présenter quelque chose en histoire pour vendredi, donc j'ai assez à faire. Donc ce cas c'est carré, il faut que je m'entraîne un petit peu pour un peu connaître mon sujet. Donc ça va en fait, moi je pense que je vais choisir New York parce que vous savez c'est une ville où j'ai déjà été quand même deux fois. J'y ai été une fois à Noël et une fois à mon anniversaire, donc en fait bah du coup bah je connais un peu, enfin je connais New York quoi, mais juste 2-3 trucs par exemple les spécialités, enfin je sais pas vraiment, enfin après je sais les monuments, je sais voilà, je sais dans quel état c'est, enfin les États-Unis, je sais que voilà, je sais que quel est président en ce moment, je sais qu'il y a eu Barack Obama avant, il y a eu Clinton, il y a eu, après je sais pas, enfin là je connais quelques trucs mais pas non plus voilà, enfin c'est pour ça que je vais un peu chercher. Voilà, donc je vais dire, enfin, je vais, voilà, je vais aussi, voilà. Je vais aussi parler de Manhattan, puisque Manhattan, c'est où j'ai été, mais j'ai aussi été à Brooklyn. Du coup, voilà. Waouh, c'est chaud. Ah, je vais brûler, là, là. C'est un petit peu chiant. Donc voilà, quoi, c'est pas... Voilà quoi, enfin c'est pas non plus inconnu pour moi. J'hésitais entre ça ou le Canada, parce qu'en fait le Canada j'y ai aussi été, mais je n'y étais qu'une fois d'abord. Et c'était quand même il y a pas mal longtemps, parce que mon frère était petit encore, je crois qu'il avait 5 ans, mon frère ça fait au moins à peu près 4 ans que j'ai été au Canada, voire plus je crois, je crois que mon frère avait que 4-5 ans il avait. Donc c'est vraiment, j'étais vraiment petite. J'avais vraiment, ouais, j'avais quasiment 9 ans. En fait, j'avais l'âge de mon frère, je crois, quand j'ai été au Canada. Donc, j'ai pas non plus forcément des gros souvenirs. Alors que New York, j'ai beaucoup plus de souvenirs, vu que j'y étais deux fois de plus. Du coup, j'ai eu 3 fois plus de souvenirs. Je m'en souviens 3 fois plus. Pareil, la Floride. Alors, la Floride, en fait, j'y étais. Mais voilà, j'étais que pour aller à Disney. Donc, au Disney Floride. Donc, voilà, je m'en souviens. Je sais pas du tout ce que c'est la Floride, en fait. Après, j'étais à l'île Maurice. Donc aussi je pourrais présenter l'île Maurice parce que bah, je trouve que c'est une belle île, mais vraiment en fait j'ai vraiment envie de présenter New York parce que New York c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bah, en fait c'est pas forcément ma ville préférée parce que moi j'adore Londres, mais New York en fait bah, c'est la passion de ma mère et comme j'y ai déjà été, bah, je connais ce pays et je suis très à l'aise sur le sujet, du coup bah, c'est un peu plus simple pour moi. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop forcément ennuyé. Voilà, je suis contente de vous avoir présenté la nouvelle version de ma chambre et de celle de mon frère. Excusez-moi. Parce que ça nous tenait vraiment à cœur de vous la montrer à moi et mon frère. Donc il m'avait dit, par contre, attends-moi et tout. J'ai dit, ouais, bah, je vais essayer de la faire aussi quand il n'y a pas papa, maman, quand j'ai le temps et tout. Il me dit, bah, au pire, fais-la demain après-midi. J'ai fait, ouais, mais non, demain après-midi, j'ai plein de trucs à faire. Et du coup, je lui ai fait, bah, je la ferai mardi après-midi. Bon, voilà, je te dirai ce que j'ai dit et tout. Voilà, mais j'avais dû beaucoup batailler avec lui.
Parce que voilà, mon frère suit beaucoup ma chaîne YouTube, enfin, il aime beaucoup ce que je fais, il trouve que je suis une fille simple et simple d'esprit, qui ne me prend pas la tête. Voilà, donc sur ce, voilà, on était content avec mon frère, donc petit message aussi de mon frère. Mon frère est super content de vous avoir montré aussi la nouvelle version de notre chambre et de nous avoir montré aussi nos espaces vraiment séparés, sachant que ce sera pas séparé très longtemps puisqu'on va toujours dans les salles des autres. C'est-à-dire que quand on va jouer à mes Playmobil, quoi que ce soit, ou faire du gaming avec mon PC, ben on sera toujours ensemble, voilà, on est toujours ensemble. Voilà, après des fois je vous cache pas qu'on s'engueule parce que comme tous les frères et sœurs, c'est parce qu'on s'aime. Mais voilà, après, voilà, j'espère aussi, j'espère que ça vous a intéressé quand même de voir les chocolats qu'on a vus à Pâques. Franchement, le chocolat là que j'ai pris, je sais pas du tout d'où il vient. En fait, c'est un chocolat d'un chocolatier vraiment. Et bah en fait il est super bon, hein, je vous le cache pas. Juste j'aurais aimé vraiment que ce soit du fou, j'ai pas du caramel, mais sinon voilà j'aime le caramel, hein, je m'en fous. Donc voilà. Mais ouais du coup ça. Et après bah voilà je suis très contente voilà, de vous avoir présenté aussi nos packs, d'avoir goûté avec vous mon chocolat. J'espère que ça vous a donné envie de manger, hein, voilà. Et du coup bah, je suis hyper contente. Sur ce bah, moi je vais faire mes devoirs aussi parce que après moi à 17h40-45 de la maison je me barre pour aller au sport, pour aller au sport au niveau de mon sport, du running bâton quoi, jusqu'à 20h. Voilà, après quand je rentre ça va être la douche, manger et dodo et hasta luego. Et c'est à demain. Voilà, c'est ça, je rentre, je me douche, douche, miam miam, dodo. En général, le mardi soir, c'est ça. Voilà, douche, miam miam, dodo. Ou miam miam, douche, dodo, ça dépend. Mais en général, c'est douche, miam miam, dodo. Surtout quand mon père finit à 21h, comme là. Du coup, c'est une amie de... Enfin, c'est une fille de... Une maman du fille du sport qui m'emmène. Voilà. Donc du coup bah elle m'emmène, mais du coup 45 j'y vais 40, après bah 20h je rentre, quand on peut finir 21h ça va. Du coup j'ai le temps de prendre ma douche, c'est ce que je dis, douche, manger, dodo, ça va être ça, douche, miam miam, dodo, alléluia. Du coup demain ça va être encore une journée crevante, ça je me suis demain après-midi pour me reposer, donc il va pas falloir trop que je me détende quand même, parce que j'ai mes devoirs à faire, faut que je m'avance, et en plus bah voilà, je voudrais faire continuer un peu mon espace à moi. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça ne vous aura pas ennuyé. En tout cas moi j'ai été heureuse de vous la faire et surtout de vous montrer nos nouvelles chambres. N'hésitez pas à vous abonner à mon Snapchat que je vous mets en barre d'infos, à vous abonner à mon Musical.ly que je vous mets en barre d'infos. Et sur ce je vous fais de gros bisous, je vous aime.